Surtout que ça parte bien d'en haut. Parce que si ça sort à peine du nuage, ça va pas être cool. Mais si ça sort bien là, ça vient claquer sur la ville en bas là, moi c'est parfait. C'est pas très 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 avec lui, non? Bon alors, 21h05, à l'actualisation, j'ai envie de vous dire, messieurs, dames. Oui? Oh la salope! Allez! Il va falloir qu'on retourne de l'autre côté. Pourquoi? Regarde, c'est le Clermont-Ferrand, c'est égal. Écoute, déjà, on finit ça. Avec les focales qu'on a, on est encore pour un moment si elle veut lâcher encore un peu. Elle est en train de reprendre de la viseur. Il y en a une petite qui arrive là sur le. T'as vu ça là? C'est le méso. Bon, c'était de la merde, ça, j'ai envie de faire. Ouais, c'est juste ça, je crois. Et regarde, c'est quand même des ambiances que ça fait. C'est quand même pas des jeux. Toi, les contrastes, les machins. Et donc, dans 10 minutes, un quart d'heure, parce que donc on va rebouger sur l'autre là-bas. Ce que je fais, je vais sortir le trépied. Je vais juste la poser, en fait, on aura une télécommande. Tu règles ton temps de pause et tu laisses. Allez, lâche-nous un impact là. Faut lui causer parce que si on leur cause pas, elle donne rien. Allez, cocotte. Allez, droit devant là, qui sort bien du nuage. Arrête, t'attires encore les chars, regarde. C'est pas vrai. Si, il y en a un dessous la voiture. C'est vrai qu'elle est pleine. Ça, c'est le méso, si tu regardes. Tu le vois là? Ouais, ouais, c'est assez beau. Hein. Eh, dis donc, moi je serais d'avis qu'on aille quand même de l'autre côté, parce que c'est quand même c'est le plus actif de l'autre côté. C'est-à-dire? Du côté là où on était tout à l'heure. Tu veux en repartir là-bas? Ben oui, je t'en prie, mon gilou. Je sais pas, moi je trouve que c'est. Là, nous on a eu de magnifiques impacts de foudre. Putain, mais celui qui a claqué derrière, vous l'avez vu, celui qui a claqué derrière, de là où on était, heureusement qu'on est parti. Hein. Il a clignoté un paquet de fois et on a bien vu les morceaux qui étaient cachés. Il nous a téléphoné, il était comme un dingue, il me dit j'ai un méso, c'est ouvert, il y a de la grêle, c'est magnifique. Enfin bon, il était excité. Donc nous, en fait, elle nous est passée sur la gueule, on a bien cru qu'on allait se la prendre dans la gueule, et en définitive, elle est partie de l'autre côté, donc là, on est à Poligneux. On a un spot qui est pas vilain. Il y a la saune en dessous, elle peut voilà, bouffer. Hein. Oh, oh putain. Oh oui. Oh là là. Oh. Ah ben voilà. Tu vois, ça y est. Elle a voulu nous en donner. Hein. Oh putain. Oh, elle est généreuse. Donc, voilà. Donc en fait, donc pour finir de t'expliquer. Oh, elle est généreuse. Là, il y en a une autre qui est en train d'arriver de Clermont-Ferrand. Eh, il faut bouger. Tu parles, il faut bouger. Elle est magnifique. Il n'y a aucune ramification, voilà. Mais elle est magnifique. Donc, tu sais ce qu'on va faire. Là, avec Alexis, on va bouger. Tu sais, dans la montée. Voilà. Donc, on va pouvoir parler ce spot à nouveau. On inventera. Là, d'ailleurs, ça a été passé à la diffusion, ça. Sur le spot, à l'arrière de la salle. Ah ouais, c'était en plein dans la diffusion. Il n'y a personne qui regarde, mais. Bah là, elle vient d'en lâcher un énorme. Quoi. Oh putain. Le nom de la rue, c'est bon. Oh là là. Voilà pourquoi on achète tout ce matos et on passe tout ce temps. Putain. Ah la vache, elle a fait plaisir là. Elle a bien donné. Un donjon. Il y a un donjon. Allez, fais plaisir, lâche-en un autre qui finit en bifide. Ce sera très gentil. Tu me connais, pas de soucis, je t'appelle ton. Bon, bah nickel, t'auras le temps de toute façon si t'as pas celle-là. Parce que bon, oh là là, qu'est-ce qu'elle a donné. Si t'as pas celle-là, de toute façon, nous t'auras celle de Clermont qui arrive, donc on est pénard. Là, tu vois, nous, on n'a pas de cure, on n'a pas été mouillé, donc celle de Clermont, je ne peux pas te dire, parce que je n'ai pas l'air à l'air, je n'ai pas regardé. Mais nous, on n'a pas été mouillé. Par contre, il y a visiblement encore rien de plus à Clermont. Ça prend tout le Clermont, c'est tout. On va voir si ça donne, mais nous, on ne va pas tarder à déposer tout ça, du coup, pour aller sur l'autre côté. Et si jamais on fait ça, je te rappelle qu'on te dit, on est dans la montée, et nous, on est au grand tour, on va changer. Voilà. Thank you.
Anto, tu veux bien regarder comment ça tourne ici? Pas tout. S'il te plaît. C'est ça que je voulais faire en fait. T'as vu comment ça tourne? Ouais. Justement, je vais prendre une photo. Oh oui, oui, oui. Oh putain, j'étais dans l'objectif, mais pas plus. Regarde, c'est vraiment bien ce que ça fait. Bah, il est pas tombé au sol. Hein. Ouais, oh putain, mais alors celui d'avant. Celui d'avant, tu l'as vu, celui d'avant? Ouais. Tu l'as? Tu l'as bien? Ah bah, il y a voir. Mais... Parce que moi, je sais que je l'ai bien, mais. Attends, je peux me permettre juste un truc, monsieur Lame ? Parce qu'il y a un truc quand même qui m'interpelle. Ouais, ça tourne depuis tout à l'heure, ça. Et ça tourne bien, là. Oh, les bourgeonnements qu'il y a au-dessus. Elle va lâcher encore. Hein. Maintenant, tu fais ça. Tiens, regarde, viens voir. C'est bien que je bouge un peu, mais... La tourne. Enfin, je vais les supprimer les miennes parce qu'elles sont dégueulasses et je vais les reprendre comme ça. Mais oui, elle va lâcher parce que regarde, ça bourgeonne et le les points. Il y a la saune là. Là, il y a la saune. Je vais essayer de filmer à la diffusion. J'espère qu'on verra la rotation. Ça a été un impact ou pas? Ouais, j'irai voir ce que ça donne. En fait, donc, t'as deux... Les deux petits, ça peut lâcher. Elle peut lâcher un micro. Ça continue ma merde, moi, depuis le temps que je le dis. Hein. Oh là là. C'est magnifique. Elle est trop belle celle-là aussi. Elle est magnifique celle-là. Je vais recalibrer la cellule. Allez. C'est pas de la vraie nocturne, mais là, ça fait plaisir. Hein. Sombre là, le soleil se couche, on va peut-être bientôt pouvoir sortir. On va pas encore si on traverse le lit. Ouais, c'est un petit peu lumineux là. Oh là là. Eh, ça serait pas de la graisse qui retombe à l'avant de ce plan? Je pose la question tout à l'heure. Parce que c'est, pourquoi ça serait clair que cette partie là tout seul? Ouais, mais si, regarde, tu le vois bien que ça tourne, regarde, elle est en travers et il y a que la base d'alimentation, c'est ça. Et regarde le reste, t'as rien du tout, il y a rien tout à l'avant, et c'est tout à l'avant. J'ai eu un tong. Allez, relâche-en un bout un petit peu, là, pour faire plaisir. Là, moi, je voudrais que ça clash juste là-bas, que ça parte d'en haut. Et... Ah, c'est que tout droit, il y a une antenne aussi, hein, ça peut faire un ascendant. Hein. Il y a une antenne par là. Je l'ai repéré là. Et ça, par contre, c'est une beau... Ça, on ne voit pas trop trop cette partie-là du montant. C'est pour ça que je t'ai dit de proposer de venir là. Oui, ça vient de ça, il va nous rejoindre. Par contre, moi, je t'avoue que je ne reste pas trop trop dans les parages. Derrière, ça a peut-être envie d'arriver. Mais j'attends encore un peu, elle va nous lâcher encore un peu. Je le sens. Donc là, tu vois, c'est cassé la gueule en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. En fait, celle qu'on a vue quand on est parti de chez toi, elle était à maturité. Donc tu vois, elle avait explosé. Et ça devait tourner en dessous d'un peu mille fois. Le problème, c'est qu'en France, ça ne dure pas bien longtemps. Tu vois, là, voilà, là, tu vois, le seul avantage qu'on a, c'est qu'elle a poussé jusqu'à maintenant. Bon, on voit la colonne finie qui a poussé encore. Derrière, elle est même jolie. Oh putain, oui, dis donc, j'ai pas dit là-bas. Ça. Et en fait, si tu veux, ben, le seul truc qui pour nous est potable, c'est que t'as encore ça au-dessus, donc ça veut dire qu'elle a encore un peu de potentiel, mais quand même, elle s'essouffle. Tu sens qu'elle a pas. Voilà. Ah, elle a bouffé une partie là. Et voilà. Sur lui, il y a encore rien qui est passé sur lui. Voilà, sur la vie, il y a rien. C'est pour ça que nous, on n'est pas. Allez, elle va nous en lâcher un autre. Un petit là, ce serait top du top là. Je prends là. Ou alors une boule de feu à la base. Un allumage. T'as entendu? Je commence à voir par moi. Je fais des gâteaux si vous voulez les enfants. J'ai de la flotte. Par contre, il y a un truc qui me fait peur, c'est que. Puis je pense que je vais faire pipi.
Enfin, je sais que ça vous en foutait. J'ai qu'une seule batterie. Hé, hey, Alex. Elle gronde de là-bas. Elle gronde de là-bas. Et elle gronde bien. Allez hop. T'es sûr que tu veux bouger? Ouais, franchement, ouais. Là, ouais. Un dernier flash. Le dernier flash. Le dernier inter. Après, on... Oh putain! Oh non, de merde, non! Il est énorme, celui-là. Putain, il a clignoté un mag. Le prochain, on attend le prochain. Elle en fera pas d'autres. Si. Salope. Putain, et il est sur la diffusion par contre, on pourra le voir. Hein. On pourra en profiter, elle est à la diffusion. Ah oh oui! Ah mais on l'a. Et après, clac, clac, clac. Et elle a clignoté un peu, il y a eu un arc, il y a eu un ou deux arcs en retour. Je n'ai pas voulu sec. Ah bah ouais, putain, au moment où je vérifie qu'effectivement j'ai qu'une batterie. Ah mais, tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Tu veux une info extraordinaire? Non, non, c'est pire. Je vais t'expliquer pire, ce qui m'est arrivé, c'est pire. Je pars, j'arrive au Montou, je me pose, la cellule s'éteint. Ouais. Je pars, j'arrive chez moi, je sors ma bière, je me pose sur le balcon, je m'assois. Et elle reprend. Ah, là tu fais putain de tarade. Sors. Oh là là. Putain, je suis écœuré sur ce coup-là. Eh, hey, je vais aller de l'autre côté, je vais de l'autre côté. Non. Ouais, mais l'autre côté, ça arrive, on va se prendre la flotte, ça t'y fait chier. Allez, Alex. S'il te plaît. Fais-moi confiance. Ouais, mais s'il y a peut-être encore une là, et de l'autre côté, elle est en train d'en lâcher à mort. On entendrait, avec le flux d'est, on entendrait. On a le vent avec nous. Alex. Elle a fait un grondement. Alex, je te dis qu'elle est proche de Lyon, et que on va savoir dans le cul. Par contre, il y a un truc qui est vachement marrant. Il y a une jolie base là-bas. Ouais, t'as vu aussi? Ça me fait poiler. Non, non, Alex. Ça va pas être possible d'attendre le prochain. Ça va pas être possible d'attendre le prochain. Bah écoute, quand je vois ce qui arrive, je t'avoue, j'ai un peu mal au cul quoi. Ah non, 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 non. À ce point ? Franchement, là, moi, je vais aller de l'autre côté, pareil. Regarde ce qui arrive sur Lyon. Ouais, faut aller de l'autre côté. Ouais, ouais, c'est joli, faut bouger. Tu vois, voilà, je savais bien. J'allais bon. 10. 9. 15. Non, mais... 34. Allez, 12. Attends que vous retiriez les trucs. Bah moi c'est fait, j'ai envie de te dire, alors je suis dans la merde. Hein. Je te jure, allez, c'est bon. Ça, je te ok, d'accord.